Zombie Apocalypse. Salut les gamers! On se retrouve aujourd'hui sur Gesso Gaming pour la suite de l'épisode 10 de The Evil Waiting. Donc, la dernière fois, on s'était laissé par là. Donc, on va continuer voir ce qui va arriver. C'est la fois que je sentais qu'il y avait un scénario, donc je préfère un petit peu. Ouais, je vais le faire. Et je me dépêche. Point de contrôle. Donc, déjà, c'est pas par là. Ok. On a un petit fil qu'on enlève naturellement. Là, on a des pics. Et là, on a ça. Ok, en fait, faut revenir complètement en arrière. Oui, non, oui. Si. C'est un jeu, il y a intérêt d'avoir le sens de conservation. Putain, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est là, ma fouille. C'est là, ma fouille. Par contre, elle m'a donné une petite seringue. Ok, punition. Voilà. C'est bon ou il y a encore du monde à venir? Invité à la fête, toi, hein. Franchement, on va te faire foutre, quoi. Elle bouge plus. Ah putain, ça m'a pété la gueule. On a quoi? Aveuglant, harponneur, vas-y. Hop, on a quoi d'autre? Explosif. Ok. C'est la pompe, là. Je la sens mal, là. Thank you.
Viens mon gamin. Abaisse-toi devant moi. Et voilà. Maintenant, ce serait con que moi je me les prenne aussi. Je suis con, mais pas à ce point-là. Allez. Ah ! Putain ! Je suis con, mais pas à ce point-là. C'est la question quand même. Non. Attendez, je vais juste regarder si j'ai pas une pauvre petite balle, c'est pas. Voilà. Y'a d'autres des conneries comme ça. Puis il avance pas vite quoi, il fait ça. Allez, on y va mon garçon. Je suis tombé haut. Là, le bruit me plaît pas trop. Hein. Personnellement, vraiment de la carte. Puis on tombe dans le trou. Hop. Seringue. Ça, je le vois l'autre en plus. Putain. Ah bah je comprends mieux le checkpoint de tout à l'heure, hein, le point de contrôle. Ah putain. Ah puis il n'y en a pas qu'un bébé hein. Attends, rien à mettre un, on peut en mettre deux. Le sniper. Voilà, direct. Ensuite. Merde. Thank you.
Non, on va pas faire la con. Ah putain, c'est pas possible ça. J'étais presque en plus. Schniff. Allez, on est parti. Allez, on y croit. On peut le faire. Sans souci. On a vu pire que ça. C'est pas grave. C'est juste des petits monstres sans place. Pas mieux, quoi. Allez, oh, oh. Si je prends un truc, il y a même pas de balle. Hop là, hop là, hop là. Allez, sans stress. Alors, attends, on a quoi là? On a quoi? On a quoi? On a quoi? Allez. Oh yes, un mort. Oh putain, elle me colle au cul. Non! C'est quoi ça encore? Non, mais non, mais non, mais il va se faire foutre quoi. J'ai quoi? Qu'est-ce qu'il me reste? Une grenade. Yes. Yes, les gens. Putain, je suis arrivé quoi. Bon, bah, 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 bah. Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Je ne vous explique même pas comment. Ouf. Bon, je vous dirai pas depuis combien de temps je suis dessus. Parce que j'ai fait une ellipse. J'avoue, hein, franchement. J'ai fait une ellipse parce que. Voilà. Mais je suis bien contente de l'avoir faite. Moi, je pense que ça m'a un petit moment plus dessus. Bon, t'es pas une heure non plus, hein. T'es pas non plus abusé, mais. Un petit moment. Et c'était quand même chaud patate. Alors. Hop, on va ouvrir ça tranquillement. Alors, là, on a quoi? Peut-être un peu de balles parce que. C'est pas que je suis à court du coup, mais un peu. C'est bizarre, je vois. J'ai pas de souvenir d'avoir vu le point de sauvegarde. Je sais pas que c'est moi qui me gourre parce que. Et je passe dessous ça. Ouais, d'accord. Je suis pas forcément rassuré, mais. Et tout, pourquoi pas. Ça je prends. Ça je prends. Et je fais directement ce ring. Et je prends ça. Voilà. La porte. Moi je cours, rien à foutre. Putain, mais merde, quoi. Non, c'est bon. Putain, j'en ai plein la gueule, cet épisode-là. Vache. On voit ça, le truc qui monte. Trop discret, machin. T'as pas de balle, t'as enfilé, par hasard. Tout ce que je possède, tout ce que je suis,
m'a été arraché depuis cet accident par ceux qui cherchent à m'éliminer. Là, dans les ténèbres, seul parmi les fantômes qui hantent mon esprit, qui me narguent, j'ai failli me perdre complètement. Et puis je l'ai vu. Une part de moi savait que ce n'était qu'une illusion. Mais je retrouvais mon visage, je reprenais ce qu'on m'avait volé. Je la sauvais. Ma sœur bien-aimée, Laura. Ok. Donc on va aller... Ah, il y a un point de contrôle, ça c'est cool. Alors, journal de Sébastien Castellanos. Et on va aller vite fait là parce que j'ai des clés, j'ai pas mal de choses. Et surtout, je vais sauvegarder pour vous laisser là. Donc du coup, il y aura 3 épisodes dans ce chapitre. Donc, première fois, hein. Vous avez oublié quelque chose? Putain, mais arrête avec tes commentaires à 2 balles, là. Hop. Il me semble que j'avais des clés. On va en prendre celui-là. Et c'est une clé. Voilà, une clé qui prend Rose, une autre clé. Ah, 2 clés, putain la vache. Il n'y avait pas un coffre où il me restait des balles. Bon, je les ai pris. Allez, on va faire... Non, celui-là, là. Je suis là, moi. Voilà. Des balles de snipe, on prend celui-là. C'est un peu de la chance, quand même. Et, ok. 5000. Oh, putain, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. Bon, on va aller vite fait faire les points. Hop. 20 000, putain. C'est bon, ça. Hein. Plaisir. Alors, dans quoi stock. C'était peut-être stock des carreaux, là. Arme. Multiplicateur de dégâts. Merde. Portée. Vitesse d'armement. Ça va être mal quand même. Portée aussi. Et voilà, on est tout au niveau 2 parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas fait quoi. Et multiplicateur de dégâts. Allez. Et après, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire pour 1003. Vitesse de rechargement du snipe, capacité de chargeur. Coup critique. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Hop, on va sauvegarder chez la madame. Hop. Merde. Bien sûr, je vais écraser la sauvegarde. Allez. Donc, vous voyez, il est 3h13 du matin quand je fais mon épisode. Toujours de nuit. Fidèle. Fidèle au poste, comme on dit. Bon, bah, je vous laisse là, les gamers. Et puis, on se retrouvera pour le 3e épisode de The Evil Waiting dès demain. Donc, voilà. Bah, écoutez, en espérant que le gameplay vous plaît, que la vidéo vous a plu. Que ma garage et ma galère vous a plu aussi. Hein. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, salut les gamers!